Bonjour. Cette période de confinement est présentée par Émile la Pancake. Aussi, vous voyez que j'ai tellement rien à faire que je filme dehors, ce qui n'est jamais arrivé pendant ma chaîne. Bon visionnage. Ah, j'ai vraiment rien à faire pour de ce tabarnak. Et tout le monde, c'est Émile la Pancake. Donc aujourd'hui, je vais présenter peut-être un nouveau contenu que je vais faire sur le gaming. J'ai dit que j'ai arrêté le gaming, mais par contre, ça va être des courts montages, fait que j'en ai plus rien à foutre maintenant. Donc, celle-là, ça va consister à quoi? Ça va être soit du gaming, soit du IRL, pendant 2 minutes. 2 minutes que je filme des moments, what the fuck, des beaux moments, des beaux skills, et toutes les affaires dans le même. C'est une nouvelle série que je tente, tout simplement, parce que ma chaîne ne fait rien, donc j'essaie de renouveler un peu tout ça. Et aussi, tant qu'à faire, à filmer dehors. On pourrait faire 2 minutes dans la forêt, comme par exemple. Ça serait une bonne vidéo. Ah, bon, s'il y a des personnes qui me conseillent 2 minutes sur Fortnite, fuck off, hein. Je joue encore à Fortnite, par contre, il n'en est pas question que je refasse des vidéos dessus. J'ai assez souffert dessus en live, là. Ça va être correct, je pense. C'est juste une petite vidéo de 2 minutes pour vous présenter mon nouveau projet de série. Donc, n'hésitez pas à liker et commentez-moi dans les commentaires si ça pourrait être quoi vos idées à vous. À part 2 minutes sur Fortnite, comme par exemple 2 minutes sur Rainbow Six, 2 minutes en faisant des devoirs maison, 2 minutes sur ta touche, ça pourrait être un bon exemple, je pense. Ouais. Et voilà, donc je vous laisse et passez une bonne journée. Mais au fait, j'ai pas fait cette vidéo-là, mais vous êtes plus de 200 sur ma chaîne, donc merci. Ça prouve que je ne suis pas ça pour rien. Et aussi que mes vidéos vous plaisent, même si ma chaîne, disons que. Elle vous plaît plus maintenant, hein, surtout à cause du blog à Toronto. J'étais un peu dégoûté qu'elle fasse juste 44 vues en un mois. Donc j'espère que ça va plus renouveler la chaîne, cette petite série. Donc pour de vrai, bonne journée.